Cette rediffusion est une présentation de Arnicaire de Boiron. Découvrez Arnicaire, le nouvel incontournable des joueurs de soccer et de leur coach. Parce que vos joueurs méritent le meilleur, Arnicaire, pour échapper à la douleur, naturellement. Une gamme efficace de produits de santé naturelle des laboratoires Boiron. Cette web diffusion est une présentation de Kitchen 73. Pour déjeuner, dîner ou un traiteur, Kitchen 73 est parfait pour toutes les occasions. Kitchen73.com. On va baisser le son, on va gagner vos sièges, ça continue, déjà 5-0 pour l'FC L'Assomption. Est-ce que vous aimez ce que vous voyez? C'est quoi vos couleurs? Ça recommence, ça sera pas long. Demain, Parc des Moissons à l'Assomption, le Festival Timbits, et vous allez pouvoir rencontrer plusieurs de vos grands frères du FC L'Assomption. Plusieurs joueurs seront présents pour accueillir et parler à tout le monde dans ce Festival Timbits demain au Parc Moissons de l'Assomption. À la mi-temps, deux substitutions ont eu lieu du côté des bleus et jaunes. Nous avons un changement de gardien de but. Simon Lagarde a laissé sa place au numéro 31, Greg Walters. Et toujours à la mi-temps, on a Diderot Nana qui entre à la place de James Lejeune. Le 6 remplace le numéro 14, la 46e minute.
Thank you.
6-0 pour, avec le troisième but, tour du chapeau du capitaine Frédérico Mouchen à la 55e minute de jeu. L'affichage du deuxième quart est une gracieuseté de Stella. Nous avons eu une substitution du FC L'Assomption à la 55e minute. Le numéro 10, Pancho, a laissé sa place au numéro 15, Simon Lebeuf-Robert. Thank you.
temps d'attente avant qu'on annonce le récipiendaire du carton rouge du côté Boisbriand dans quelques instants. On a deux autres matchs du FC L'Assomption ici même. Pour le concours des années 80, c'est très important. Les billets qu'on donne, même si c'est marqué 19 juillet, c'est le 28 août que se joue ce match-là. Et il y a un autre match le 30 août. C'est une remontée, c'est ça? Frank, c'est qui disait qu'il y avait le jeu là. 58e minute, le carton rouge décerné à Boisbriand au numéro 18. Juan Pablo Hernando Joffre. Et comme on vient d'observer, dans une remise en jeu, il y a eu un but du FC Boisbriand. On attend l'identité, mais le thème qui s'est applicable, c'est celui-ci. Donc le but de Boisbriand, compté par le numéro 15, Marvin Charles Omi à la 58e minute. Carton jaune du FC L'Assomption à la 64e minute, numéro 3, Baisha Kalonda. Thank you.
Pour le FC L'Assomption à la 66e minute. Le numéro 13, Alexandre Clément, rentre en jeu et remplace Eduardo Cebrengo, numéro 12, comme je disais, à la 66e minute. C'était pas un but, mais c'était Thank you.
C'est qui vos couleurs? Le but du FC L'Assomption, un penalty compté par le numéro 9, Frédéric Omojen. Sérieux candidat au soulier d'or 2013 avec ses 4 buts aujourd'hui. À la 74e minute. Thank you.
la 75e minute, il se tanne pas. Frédéric Woodjen avec son 5e but de la soirée. C'est Fred encore. Bon, il faut être officiel. À la 78e minute, Fred Mogen, capitaine, encore une fois, 6e but de la soirée. Deux tours de chapeau ensemble quand on y pense.
84e minute, c'est maintenant 10 à 1, le 7e but du capitaine. Federico Moutine! C'est Camille qui aime ça, merci beaucoup! Thank you.
Ceci termine cette époustouflante victoire du FC L'Assomption, 6-1 versus le FC Boisbriand. Est-ce que vous avez aimé votre spectacle ce soir? Cette rediffusion est une présentation de Arnicaire de Boisron. Découvrez Arnicaire, le nouvel incontournable des joueurs de soccer et de leur coach. Parce que vos joueurs méritent le meilleur, Arnicaire, pour échapper à la douleur, naturellement. Une gamme efficace de produits de santé naturelle des laboratoires Boiron. Cette diffusion est une présentation de Kitchen 73. Pour déjeuner, dîner ou un traiteur, Kitchen 73 est parfait pour toutes les occasions. Kitchen73.com